que tout très simple, si jamais vous ne connaissez pas, ça va être un jeu chacun pour soi. Il va y avoir des catégories qui vont s'afficher juste derrière. On a un petit peu twisté par rapport à avant, justement pour pousser à encore plus tout risquer. Oh non, mais vous le verrez, vous le verrez pour par là. Tout risquer. Pour tout risquer, c'est vraiment le principe. 5 catégories qui s'affichent derrière moi, géographie, politique, sciences, sport, cinéma. 3 niveaux de difficulté, 2 buckets, 3 buckets, 4 buckets, un petit peu facile, intermédiaire, difficile. Dans l'ensemble, c'est pas simple. J'avoue que j'ai décidé de vous respecter. Quasiment tout le temps, les gens finissent dans le négatif. Imaginons Étoile s'essaye donc à une géographie 4 buckets. Si jamais il répond bien, il a 4 points. Si jamais, malheureusement, il n'avait pas la bonne réponse, il tombait à moins 4. Tu vas jouer comment, Xavier? Est-ce qu'on est bon sur les règles, les amis? Je pense cinéma x 4 pour moi, ouais. Ça m'a l'air d'être bien. L'ordre de jeu, c'est Ponce qui va commencer. Okay. Ponce, je vais te laisser choisir. Donc du coup, comme je te le disais, géographie, politique, sciences, sport, cinéma. Est-ce que lui, il va commencer par... Tu peux cliquer sur les cases partout où ce qui est, non. Je sais pas. C'est vrai que c'est vrai que... Semi-risque tout, je pense. Je vais prendre un x3 en sciences. Allez. Oh, le bâtard, le x3 en sciences, c'est le bon play. Oh, c'est un très bon play. Oh, je crois que la nouvelle, règle, c'est qu'on doit faire un morpion en même temps. Oh, la régie de fou. J'ai peur quand même. Hein. Clément, il m'a dit tu peux essayer de le toucher. Putain. Oh. Merchman, Merchman. Le truc apparaît 15 minutes après, bordel. Putain. Alors, science en 3 buckets, donc plus 3 si jamais il arrive, moins 3. Commencer, c'est pas facile, pense. Bien joué. Mais tu sais que je stresse de fou, c'est horrible. Mais il n'y a rien à gagner. Quoi que la dernière fois, j'ai gagné. Oh, c'est vrai que tu avais gagné la dernière fois. Moi, si pas, je suis un. Il n'y avait pas Rayou et Loxavin. Les amis, si je suis un verdier d'Europe, je suis quel type d'animal? C'est science, ça? C'est science, tout ah à ouais, fait. Ouais, c'est biologie, quoi. Wow. Si je suis un verdier d'Europe, je suis quel type d'animal? Un éléphant, je pense. Je suis... Putain, j'hésite entre deux. Il va falloir une réponse. Allez, Ponce. Un oiseau. Un oiseau, tout à fait. 3 buckets pour Ponce. Très, très bien. T'hésitais avec quoi? Avec un rongeur. Ah, c'est vrai que... Un oiseau aussi, ouais. Ouais. Non, c'est du 3 bucks. C'est quand même... Enfin, je savais pas, mais j'ai, tu vois, en mode... Ah, mais pareil. Je suis pas en déduction. Mode, oui. Le verdier, oui. Bien sûr. Ouais, ça fait pas très félin. Ouais. Ah, ça, non. On pouvait le sentir. Xari, justement, je te laisse choisir... Oh, je suis dernier. Ah, t'es dernier. Bah oui. Mais t'inquiète, bah, là, il y avait quand même un pattern, enfin, je... Je vais prendre. Xari. Je vais prendre x3 sport. x3 sport. Oh non, le bâtard. Tu le voulais, Étoile? T'aurais dû prendre x4. Ça part dans la gueule, moi. Ah non, x4, gros, déjà x3. C'est l'actualité. Oh, oh merde. Quel club de football a été racheté oh, non, mais il y a c'est quelques foot. Jours pour 3 milliards de dollars? Pouah, j'ai aucune idée. Chelsea? Comment? Chelsea. C'est Chelsea, 3 buckets. Tu l'as vu? Tout se passe bien. Je l'ai... Non, j'ai vu passer, mais bon. Dollars. Très, très fort. Tout à fait, Chelsea, c'était actuel, fallait suivre un petit peu. Étoile, c'est à toi de... À attendez, toi juste par rapport à ça, c'est 3 milliards? Ouais. Ouais. Je m'y connais pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Oh, bon, je m'y connais pas, je sais pas. C'est tu vois, pas mais... mal, en fait, ça dépend. Je crois en que c'est fait, un Américain, le gars. Quand tu compares au salaire des fois des joueurs, tu te dis putain, ça fait peu. Oui, voilà, c'est ça, tu sais, quand tu vois tout ce que. Au prix des joueurs, mais le club, okay, 3 milliards, c'est quand même pas mal. Bah, je me rends pas compte, c'est quand t'as des plateformes rachetées des dizaines de milliards ou de ce genre de bail, ouais. Je sais pas. C'était 1 milliard. Hein. Oui, mais c'était en 2014. C'est vrai. Allez. J'ai rien à dire, gros. Ouais. Non, mais c'était une simple question novice. Tu m'as coupé la chic. C'était Roman Abramovich avant. Encore en cours de négociation, il y a le propriétaire américain qui est dessus. Quoi qu'il arrive, il l'avait. Question suivante. J'essaie. 3-4. Je réfléchis. J'ai envie de tenter une fois deux. Oh, Rayou, oh là là. Première allez, question, risque tout, il envoie du fois deux. Ah, j'ai envie de... Bon, allez, une fois trois Géo. Allez, c'est gratuit pour Étoile. Et pour une première, je vais te demander un petit déplacement, puisque tu vas devoir te lever pour montrer sur une map. Mais non, chaud, mais c'est gratuit. Il va falloir que tu me montes sur la carte. Passe derrière, Étoile. La Sierra Leone. Non, le Belize. Oh, mais non. Où se situe le Belize? C'est si gratuit. Le Belize. T'as l'Inde qui est là. Ici. Attends, je vais si je peux me permettre. Oula, où est-ce que je vais? Et Merchman. T'as le Vietnam qui est là. Je suis bien content de pas avoir pris ça parce que j'aurais pas su. Moi je sais. Tu me situerais dans quel continent toi du coup? Je mets quasiment ma main à couper. Mais je vois pas où c'est. Non, je pense que je l'ai pas. Parce que pour moi c'est à côté du Laos et tout le bordel. Alors, c'est quelque part par là, mais je sais pas. Okay, bon. Là, t'as le Bangladesh. Je suis bien content, j'espère que personne n'a entendu ce que j'ai dit. C'est la première fois de ma vie que je vais flex, c'est peut-être là, devant Rayou.
Je suis désolé, étoile. Ah, je ne l'ai pas. Malheureusement, le Belize, c'est juste ici. Oh non, j'ai confondu. Oh, je suis trop con. Juste sous le Mexique, sous le Yucatan. Oh, le troller, j'étais sûr que c'était à droite. Hey, let's go. Oh, le troller. Tu l'avais trollé. Ouais, je l'avais. Vraiment, je lui ai dit dans le. Oui, oui, il me l'a dit, il m'a dit exactement, il me l'a même décrit. Oh, j'étais sûr que c'était avec lui. Il me l'a décrit. Mon cher étoile, tu vas pouvoir rejouer tout de suite. Après, non, tu nous l'as deny. C'est fin de soirée. Bah, non, merci de me l'avoir dit. Je l'avais pas. Ne t'en fais pas, donc. Tu peux rejouer tout de suite. C'est à toi de reproposer. C'est le moment de rentrer dans le bain. Si jamais tu prends un x4 et que t'as bon, t'es à un bucket. Hein. T'es la tête hors de l'eau. Oh non, mais si, x3, j'ai raté comme ça en géo. Bah, x4. Il y en a, c'est pas facile. Hein. J'avoue que les. Il y a des questions. Ça donne envie de prendre du x4. Clairement, ça va partir en x4 cinéma, moi. Ouais, mais vous allez voir qu'honnêtement, ça vaut le coup de prendre des x4 pour la suite. Oh non, la règle spéciale du risque, t'es où? Vas-y, je tente un x4 science. x4 science, je me dirige tout de suite. Je vais te demander le nom du supercontinent massif qui couvrait la Terre il y a 300 millions d'années. La Pangée. La Pangée, oui, oui, monsieur. 4 buckets, t'étais à moins 3, tu passes tout de suite à 1, étoile de retour. Attends, la Pangée, c'est plus dur que Verdier? Oui, j'avoue que... Bah, c'est le risque tout, mec. C'est le risque tout. Toi, typiquement, et toi, t'as pas eu le Belize, toi, c'était facile. Non, c'est le risque tout. Il y a des questions. Chelsea, c'est pas encore vendu. C'est vrai. Ah, c'est le risque tout. Hein. C'est le risque tout, même sur les questions, sur absolument tout. 4 points. Mon cher Xav, qu'est-ce que tu veux? Parfois 4. Oh là là. Il y va. Oula. Oh là là. Aïe. Oh là là là. Certains ont trouvé la Pangée simple. J'ai bien peur que celle-là la trouve difficile. Je vais te demander l'athlète le plus médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques. Et je vais te demander combien de médailles il a à 2 médailles près. Oh, je l'ai. Michael Phelps. Pour l'instant, ouais. T'es bon. À 2 médailles près, il va me falloir... Que les médailles d'or ou toutes les médailles? Toutes les médailles. À 2 près, c'est dur. Hein, à 2 près. Ouais. Même à 20 près, c'est dur. 25. Ah ouais, j'aurais dit 80. Non, c'est 29, non? Ah ouais. Pff. Ah... Si jamais ça était à 3 près, tu l'avais, c'est 28. Oh, c'est horrible. J'ai hésité à dire 26 en plus. Moi, j'aurais dit 87. Ah, c'est 28. C'était que aux Jeux Olympiques. Ah, c'est 28, c'est dur. C'est dur, mon Xav. Oh, c'est dur. Oh, en plus, let's go. En plus, il l'a risqué. J'ai envie. C'est exceptionnel. Mais comme tu l'as, justement, parce que c'est vrai que c'est aussi ça. Hein. C'est des règles qui changent, qui s'adaptent en permanence. T'as risqué les 4 buckets, t'as porté tes couilles, tu perds pas 4 buckets, tu prends juste 0. Tu prends 0. Oh, le favoritisme. Eh, il était à 3. il est à 0. Donc, en voilà. Vrai, c'est fair play. C'est fair play, il a tenté. C'est aussi ça. Le but, c'est de risquer. Genre, s'il avait dit 17, t'aurais dit c'est mort. C'est mort. Il ouais, y a même ça, pas de. Okay. Tu vois là, le fait que ça soit à 3. Non, il faut. En vrai, en écrivant, je m'étais demandé est-ce que je mets à 2 près ou à 3 près. J'ai l'impression de revivre la meuf là qui a mis les mauvais numéros. Il y a tout qui. Tous les alignements, putain. Chaque fois que tu passes la popcorn, pareil quoi. Voilà. Ponce à toi. Jouer. Eh bien moi je vais. Ah, c'est chaud hein en vrai. Est-ce que je risque tout? Bah oui, risque tout. On n'est pas obligé, c'est le principe du jeu, mais. Un petit politique x 4. Je vais prendre. Politique, personne si. Bah, non, si non, non en vrai, ouais moi aussi je suis. Moi aussi, je suis trop naze. Ça ne pas être si difficile hein, parce que chaque cinéma vous aimez pas trop non plus. À un moment vous aurez plus le choix. Ah bah ouais, on va risquer. Pas non, je vais tenter. En fait j'ai envie de tout risquer. Oh oui, ça, j'aime bien avec tes yeux en plus. Oh, le tu m'as regardé en me disant ça. Tu vas tout risquer sur quoi? Je vais tenter une géographie x4. Ah oh, oui, oh, oui, oui, oui. Ça va être oh la géo. Non, pas forcément. Bah, quelle est la capitale de la France? Et ouais, c'est exactement Marseille. Ça. Non. Si jamais, mon cher Ponce, je me trouve face au tour Petronas, alias les Petronas Tower. Dans quelle ville est-ce que je me trouve? Tu connais les Petronas? Moi, j'ai pris le Belize. À l'heure actuelle, viens, on échange, À l'heure actuelle, pour donner justement un petit avantage, c'est les tours jumelles les plus hautes du monde. Peut-être qu'on peut même mettre la photo, si jamais. C'est aussi le sponsor de Mercedes. Bon. Si jamais... Est-ce que tu as une petite idée? La photo ne va pas énormément t'aider. Oh. Voilà, les tours Petronas... Les tours Petronas. Construit autour des années 95, quelque chose comme non, ça. Je me serais trompé. Bah alors, tu m'as parlé. J'avoue que tu m'as parlé de Mercedes. Du coup. Oh non, j'ai dit que c'était un sponsor de Mercedes. On peut revoir Formule 1. On peut revoir la photo juste par rapport au ciel, parce que je connais vachement. Ciel. Oh là là, je suis au guesser. Ah, tu vois le soleil. Et je demande la ville en plus. Hein. Ah, la ville. C'est un enfer. La question est. N'hésite pas à envoyer un pays déjà. On verra ensuite comment. Oui, clairement. Déjà, t'as tout risqué. Donc, déjà, t'es à table si tu veux. Ça un plaisir de te servir. Si jamais t'as besoin de rap, je te donne. Mais il va falloir un peu de contenu. Okay, il va falloir quelque chose pour pouvoir t'aider. Bien sûr. Déjà, un continent. Ah oui, commençons par le continent. Mais déjà, le continent, c'est un flop. C'est sûr et certain. Tu dirais quoi, là, comme ça? Moi. Ok. C'est un putain de flop. Moi, je dirais les États-Unis.
C'est un flop. Ouais. C'est un flop. On est... étoile ? Je pense que c'était faux. En fait, si tu l'as, c'est un point bonus. Non, mais c'est faux. Oh, moi, bah, attends, quoi, le Belize, j'ai pas eu ça, moi. Moi, j'aurais tenté l'Argentine, mais je pensais pas du tout. C'est, non, c'est au Moyen-Orient, hein. Quoi, Kuala Lumpur en Malaisie. Ah, oh, c'est Malaisie. Ouais, en Malaisie. Quand t'as dit Petronas, j'ai directement pensé à un truc en Argentine. Et après, quand j'ai vu la photo, j'ai fait FF. Oh, ouais, j'aurais dû. C'est simple. Et t'as tout risqué. Et ça, c'est. Et t'as tout perdu, man. C'est top. Non, mais moins un. T'es une légende. Let's go. Non mais il a voulu dire États-Unis direct, les amis. On continue, c'est à étoile de jouer. Non, parce que j'avais demandé continent, t'as dit États-Unis, mais okay. C'est juste que t'as voulu directement dire le pays. Oui, j'ai tenté. T'as dit étoile et tu m'as dit. De toute façon, en fait, je connaissais même pas les tours Petronus. Attends, mais pourquoi c'est à moi? J'ai déjà... On a fait tous deux questions là. Tac, tac, tac. Ah, ça fait deux questions, Ponce? Non, c'est oui, non. Ah bah, tu fais ta troisième. Ah, j'enchaîne. Ouais, pardon. Ah, et bah, tu sais quoi, je suis tellement deck, je prends géographie x 2. Non. Bah, je sais que ça deny aussi. Et là, il va faire plaisir celui-là. Oula. Je vais te demander une capitale. La capitale. Oh, mais elle est vraiment en capitale. Elle est vraiment la capitale du Sri Lanka. Non. Dans les pièges, c'est la cadeau. C'est le capitale du Brésil. Oh non. Allez, cadeau. Non, je pense que c'est Rio de Janeiro. Ah non, c'est pardon. Ah, c'est le piège. Ah non, c'est le piège. Non, mais en vrai, je sais pas. Brasilia. Brasilia, bah oui. Brasilia. Mais c'est aussi ça, le risque de tout. Enchaîne à moins 4 bucks, suivi d'un moins 2 bucks. Ça risque de faire très très mal, les amis. Xary pour l'avant-dernière réponse. Oh, Xary est trop en tête. Avant. Non, Xary prend pas le foie de sport. Allez, Xary. Non, prends-le. C'est vraiment un chien. Ah, mais en même temps, beaucoup de stress, hein, vous pourrez témoigner. Hein. C'est quoi, je vais prendre le x3 politique. Allez. Oh, la légende. Je risque tout. Enfin, semi-tout. Je vais tout simplement te demander de me citer tous les présidents de la 5ème République française. Oh oui. Oh, ça. C'est ça, x3. Charles de Gaulle. Dans l'ordre ou pas? Ah oui. Oui. Attends, je réfléchis un peu. T'as le droit à 2-3 secondes de réflexion, on va demander dans l'ordre. Pour ajouter un petit peu, c'est vrai, de... Voilà. Bon, vas-y. Charles de Gaulle. Ouais. Pompidou. Ouais. Giscard. Ouais. Mitterrand. Ouais. Remitterrand. Ah oui. Non mais attends, je fais un calcul. Avec plaisir, avec plaisir. Du coup, bah Chirac. Ouais. Re-Chirac. Ouais. François Hollande. Oh oui. Emmanuel Macron. Bravo. 3 bucks. Alain Poher, je crois qu'il avait fait un intermittent de 3 mois, mais il n'y a aucun souci, monsieur. C'est intérimaire, pardon. C'est absolument parfait. C'est 3 buckets validés. Tu vois, comme quoi, c'est pas simple dans l'ordre, mais c'est abordable, quoi. En fait, le choc est possible. Exactement. Mais étoile, normalement, tu dois le facturer. Hein. Étoile, je vais te demander une petite réponse. J'ai décidé d'en avoir plus rien à foutre. Non. Et je vais prendre x4 cinéma. Oh là 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 là. Tu frappes aussi fort. Imagine. Tu m'as dit que t'étais nul en cinéma, non? Je suis nul en cinéma, mais... Mais tu peux frapper pas. En fait, j'ai quelques... En gros, j'ai une connaissance... En fait, je pense que j'ai plus de chances de trouver la x4 que la x2. Parce que les trucs que tout le monde sait, ah oui, okay. J'ai jamais regardé. Mais vu que j'essaye de traiter un peu question pour un champion, des fois j'ai des petits trucs. T'as des petits slumdog. J'ai des petits slumdog, mais je suis vraiment à chier. Je suis trop nul en cinéma. Kat, t'as tout risqué, ça me fait super plaisir. Bravo pour ça déjà. Et on a tous tout risqué. En ce moment, une fois. C'est pas fini. Hein. En ce moment, c'est le festival de Cannes là. Ah, c'est FF. Attends. Oh, la date du premier festival de Cannes? C'est pas du tout ça. La t'as palme d'or 1975. Non, je vais te demander une palme d'or. Ah, Paradise? Alors, je vais te laisser finir la question. Il va demander une date avec, je pense. Quel film a gagné la Palme d'Or l'an dernier? Oh, si, je l'ai. Parasite? Ah non, ça c'était à fond, non? C'était pas de Titane? Désolé, c'est Titane. Xary qui l'avait. Parasite, je crois que ça doit être 2020. C'était il y a 2 ans. Parasite, c'était à fond. J'ai trollé. Je sais plus. Bien joué. Allez, un peu vite, mais en tout cas, très bien tout risqué. Tu l'aurais eu donc. Mais oui. J'ai tout tenté. Mais j'aurais pas tenté de le prendre. On en est où? Chacun a répondu à 3 questions, c'est ça? Ouais. Ouais. Donc là, du coup, si on peut juste voir un petit peu, ça va être le dernier tour de questions avant le grand happening. Oh non, Merchman. Oh, c'est Merchman. Je prends la politique 4 encore. Si jamais, je vous conseille de tout risquer. Étoile, c'est à toi. Et en plus, vu ton nombre de points, je te conseillerais peut-être de l'envoyer. Je suis deuxième. Hein. Peut-être. On verra les classements juste après. Je sais pas. Hein. Moi, je mettrais foie de sport. Ah, je dis foie de sport. Il veut assurer, pourquoi pas aussi. Ouais. Eh, celle-là, elle est dure en plus. Celle-là, c'était un peu. C'est le piège. Comme oh non, c'est le piège. Non. Oh non, le piège. Oh, attends, moi, j'ai eu. Je suis pas sûr que même le chat l'ait en vrai. Non, mais. Le nom de la Ligue espagnole de football. Oh, Liga BBVA. C'est Liga tout court, ça passait, y a aucun souci. Bon, ça va. Ouais. Eh, c'est assuré, les deux bucks. Eh, vraiment dur. Hein. Les deux bucks. Vraiment, vraiment pas simple. Xary, à toi. Passe à moi, là. Ouais. Oh, le x4 Paul. Non, faut pas. Oh, le x2 science. Petit x2 science. Ouais.
qui est à l'origine de la théorie de la relativité? Newton? Ah, de la relativité, Einstein. Pardon. Je vais accepter, puisque oh, j'ai pas... J'ai mal entendu. Mais on, je prends la défaite. J'avais mal entendu. Non, mais en vrai, il l'avait. En vrai, tu l'avais. Hein. Oui, je l'avais, mais j'ai mal entendu. Parce que j'ai pas fait de tête, j'ai pas voulu répondre direct, mais tout à l'heure, il a déjà été. Je suis désolé. Le chat, c'est un sondage. C'est un sondage. Non, en vrai, je prends la défaite. Je prends la défaite, y a pas de problème, c'est la première réponse. Je mérite. Non, je peux donner les deux points si tu connais l'année. Je mérite. Tu connais l'année. Tu connais l'année? Ouais. De E égale MC2. Je connais pas l'année, gros. D'accord. Et ben, c'est moins deux. C'est moins deux. 1905. Ah, bah ouais. Pompon, les autres ont un peu loupé aussi. Ouais, moi, un Paul x4. J'ai loupé un x4 et un x2. Donc, si tu vois, là, c'est. Ça arrive à tout le monde. Mais par contre, le politique x4. Oui. Ou MG. C'est introuvable. Pompon, en vrai, non, pas forcément. Tu sais que le x4. Regarde, le x4 science. Le x4 géo, il était free. Hein. Et le x4 ciné, il était correct. Et le x4 ciné, si j'avais pas trollé, je l'avais. Free. Après, c'est le risque tout. On peut pas vraiment se baser sur un x2 simple, ouais. Machin, etc. Géo, il était free. C'était les tours jumelles. Non, le x4. C'était la Pangée, c'était science. Ouais, oui, le x4 science, c'était le plus free de tous. C'était le. Ouais. Bon, bah, je prends x4 politique. De toute façon, j'ai plus rien à perdre, je m'en fous. Je vais te demander l'année de l'abolition de la peine de mort en France. Badinter. Ouais. Oui. Ah, c'est chaud quand même. Mitterrand. Déjà bien. Il y a des. Oui, il y a des. Ça commence par 1900. Je t'aide. Oh, t'es chiant. Le dernier condamné à mort, tu prendras peut-être un petit point bonus. Oh, c'est l'affaire du pull au verre rouge. Ah non, ça c'est. En vrai, je l'ai pas. Du coup, ce que je vais sortir, ça ce sera pas ça, mais je vais quand même le sortir. Ça va être. Pif une année Mitterrand. Pif. Ouais, une année. En fait, j'hésitais entre deux. Ah. Vas-y, je vais piffer. 1986. C'était avant, non? Ouais. J'étais à 82. En fait, c'est. Non. C'est 83. C'est 81. 81. Ok, je l'aurais pas eu. Parce que c'est genre une des premières mesures de Mitterrand, non? Il était en mode. C'était vraiment pas loin le dernier condamné à mort en 77, en tout cas, mais 1981. Pas mal de gens l'avaient dans le chat, ouais. Mais pas simple. Parce que c'est vrai qu'on a appris, mais il y a longtemps, tu vois. J'avoue, j'ai pas. Un petit risque tout pour se les remémorer. Au final, ça fait toujours du 80 bien. Ans. Oh, les gars, vous avez tous répondu à 4 questions. Est-ce qu'on peut se faire déjà un petit point score pour savoir où est-ce qu'on en est? Zari est à 4 points, étoile à moins 1, Ponce à moins 7. Là, on se dit, putain, ça y est. Ponce, il sauf qu'il y a un thème spécial Merchman. Merchman, 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 Merchman. Merchman, putain. Non, Merchman est avec sa femme là, je te le dis. Merchman est juste dans notre imagination désormais. Alors c'est très simple, vous allez voir justement en fonction du nombre de risques tout que vous avez pris, ça nous avait été conseillé dans la dernière vidéo justement du risque tout de popcorn dans les commentaires, le nombre de fois 4 que vous avez pris, eh bien justement va s'additionner, va se multiplier même. Je vous laisse regarder. Ponce, du coup, toi, t'es parti sur deux risques tout. Donc, cette question peut te rapporter 8 bucks. Okay. D'accord ? 8 bucks, si jamais t'as faux, c'est moins 4. Le Xav, seulement. Ouais. Seulement. Oh, petite couille. Un seul petit risque tout. Seulement un petit sport en x4. Du coup, toi, c'est x4 moins 4 et étoile x8. Donc, du coup, 8 buckets, c'est si quoi, jamais. La question ? Attends. Allez, chef. Allez, lui. Et coach. Pompon. Okay. Mon cher Pompon, est-ce que tu vas aller chercher le x8 ? Bah, j'ai plus rien à perdre, je suis obligé de le prendre là. Tu n'as pas le choix, en effet. Ah oui, d'accord. Mais... On en parlait tout à l'heure. Oula. Du bowling. Ah oh, oui, si, tu l'as. Le bowling. Oh, je vais te demander. Le score max. Quel est le score max possible ? Tu l'as. Bowling. Tu sais qu'en plus, je ne l'ai pas. Tu l'as. Si, c'est un multiple de 10. Tu peux aller chercher 8 points là-dessus. Sinon, je te donne. Pompon, c'est. Oh, j'en veux. J'ai envie de tenter. En fait, est-ce qu'on peut lui mettre l'indice de fou ? Non, tranquille. C'est Ponce qui doit trouver par lui-même. Je pense pas que ce soit ça, mais je sais pas pourquoi je pense à 250. Repense un petit peu. Repense un tout petit peu. Repense. Avec 50 en plus. C'est 300. C'est 300. Putain, j'aurais. Ok. Bah non, j'aurais pu te laisser repenser, mais ça va. T'as juste donné la réponse. Non, je lui donne des points. Moins 4 pour. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Ah, parce que ouais. C'est quoi le calcul ? C'est un strike, c'est combien ? C'est 20 ? C'est 10. En fait, c'est 10, mais tu doubles à chaque fois. Tu multiplies après. En fait, tu as multiplié les scores d'après. Ouais. Donc, si tu fais 10 strikes. Du coup, ça fait genre 20, 40. Mais tu pars sur une base de 10 lancés, max ? Non, parce qu'à la avec fin. Avec le 10ème, c'est 2, puis 3. À la fin, ça. Tu vois, j'aurais jamais trouvé en vrai. J'aurais jamais trouvé. Mon cher Xav, toi, t'es premier. Donc, comme t'es premier, toutes ces propositions, tu n'as pas le droit. T'es obligé, toi, d'aller tenter un x4.
Tu vois? Parce que justement, qu'est-ce qu'il sait? Ponce, il pouvait choisir autre chose. Ouais, Ponce pouvait choisir un x2, mais lui, il n'avait pas le choix. Bon, toi, comme t'es premier, t'es en x4, et comme t'as pas tout risqué, en plus, bon, bah. J'ai pas mal risqué, monsieur. C'est un petit plus 4, mais bon, c'est pas. La question, elle sort d'où, du coup, là? La question, c'est un thème mystère. Non, mais par contre, en vrai, il a tout risqué, Xari. C'est juste que vu qu'il était close sur Michael Phelps, c'est toi qui lui as pas mis le moins 4, mais en soi, il a tout risqué. Non, mais j'ai risqué qu'une fois. Il a risqué qu'une fois, vous avez risqué. Moi, j'ai fait des fois 3. Ah, petite bite. J'ai des middle risques. Mon cher Xav, je vais te demander. Et je pense qu'il y a un de tes voisins qui va sauter sur sa chaise. Qui a peint... Oh non. Oh le bâtard. Non, me dis pas que t'as fait ça. Ça va être ça, ça va être ça. Me dis pas que t'as fait ça. Le baiser ? Le tableau... Non, le tableau de la laitière. Oh le fils de... Oh ça rigole dans la régie, hein. Bande de chien, hein. Est-ce que je peux le voir ? Alors, en régie, on va pouvoir justement... Déjà, je vois un peu de quel courant c'est. J'ai aucune idée, hein, je vais pas vous montrer. On va pouvoir justement te le donner. On va attendre 20 la patte, secondes. La patte de Van Gogh, Toi, tu l'as, Ponce, par exemple, sans le dire? Non. Je te l'ai dit. Même si, oui, il me l'a dit des milliards de fois, mais ma mémoire, frère, mais j'ai des trous, je suis débile. Tu m'écoutes pas? Si, je t'écoute. Je retiens pas les noms. Je pense que dès que j'ai le tableau, je le l'ai direct. Le tableau va apparaître d'ici une ou deux petites secondes. Juste en régie, ils sont en train de l'amener. Tableau, tu vois. Oui, mais moi, je m'en sors. Sinon, ouais, il y avait le nom du peintre, donc ils sont juste en train de le cacher. Ah, pardon, excuse-moi. Désolé de demander des trucs. Il n'y a aucun souci. Tout à l'heure, il apparaît juste derrière. Donc déjà, tu vois, je peux te dire, c'est pas Picasso. C'est pas Van Gogh. Mal, des petites taches. Volontaire, involontaire. J'ai aucune. Seule étoile le sait. J'ai aucune foutue idée. Je vais dire Monet, au pif. Étoile. Vermeer. Putain, c'était totalement Vermeer. Ah, mais oui, c'est un peu le style de la jeune fille à la perle. C'est exactement ça. Monsieur. C'est vrai, j'aurais dû réfléchir un peu plus du coup. Ah. C'est dommage. C'est dommage. Et là, étoile, t'as moyen d'être grand. Puisqu'on peut faire un petit point score, s'il vous plaît. Je crois que Xari était à 4, il est désormais. À 0. À 0. Là, point négatif. Où étoile alors, peut-être. Est à moins 1. En moins 11, le buzz. Ouais, mais t'es le dernier vainqueur. T'es le dernier vainqueur. Et t'as tout risqué, donc bravo pour ça. Tu vois, ça c'est mention honorable quoi qu'il arrive. Étoile, toi t'es le dernier, donc justement comme le premier a loupé, t'as pas le droit de prendre le x2 x3. Tu peux prendre 8 points. Tu peux finir vraiment en trompe. Tu peux finir à plus 7. Ouais, mais t'as fait. Du coup, t'as sélectionné des questions pour que ça me mette dans l'embarras. Ah, disons que le tableau de la laitière, je me suis dit bon. Peut-être pas le donner à Étoile. Peut-être pas le mettre. Les j'aurais amis. Fait le bowling, moi, perso. Ah, mais je savais que tu l'avais, tu vois. Ah, ouais, ça le but, c'est de vous piéger concrètement. De juste donc, moi, tu penses que je on l'ai. On va parler architecture. FF. Ah, c'est FF, l'architecture. Mais tu l'as, le baron Haussmann. Ça va pas être. Architecture, c'est un architecte qui est à l'origine des fortifications des villes de Saint-Malo, de Lille ou encore d'Arras. Une architecture très particulière. Pardon, des formations. Okay. Un architecte de renom. Qui est sur quelques. Arrêts de bus. Oula, doucement. Est-ce que c'est le. Ah, il y a pas mal de mecs. Ouais, mais bah, doucement, quoi, du coup. Bah, non. Est-ce que c'est le Corbusier? Bah, si, je pense. Bah, tu me diras après. Allez, c'est le risque tout. Je sais pas. En fait, j'ai envie de tenter le Corbusier, mais je pense que c'est pas lui. De ville Saint-Malo, pardon, des fortifications des villes. Non, je l'ai pas. Mais non, c'est pas ça. Je ne l'ai pas du tout, je dirais le Corbusier. C'est pas le Corbusier. Est-ce que l'indice a aidé Ponce? J'y sais des cours. Non, mais l'autre. Non. Tu sais que j'ai dit ça à Xari, il m'a fait maybe. C'est un truc, c'est un vieux mec. C'est une ville fortifiée, gros. C'est une ville fortifiée. En vrai, il y a moyen. Bah, attends, Corbusier aussi, ça faisait Corbusier. C'est milieu 20e. En fait, je sais pas, je me suis dit. C'est bien plus vieux, non? Bah oui, du coup, c'est bien plus vieux. Je me suis dit Renzo Piano, je sais pas. Et en plus, Vauban. Oh, Vauban, c'est dur. Oh, je l'aurais pas vu. Vauban. Ah, moi, mais d'accord. Moi, c'est vrai que Vauban, ça a été des quartiers, des arrêts de bus, etc. Ils étaient pas mal, justement. Oh, Vauban, à voir. Sébastien Lepresse de Vauban, né en 1633. Oh, le bowling. Maréchal de France. Oh, j'aurais bien aimé le bowling. Oh, le bowling. Ah, ben ouais, mais lui, il avait. Et ben, en tout cas, sur cette belle prestation, avec zéro, c'est Xari qui remporte ce risque tout. Oh là là. Mais c'est pas dur, comme d'habitude, est-ce les amis. Que c'est en fonction des connaissances, c'est trop en fonction dur. Du stress après, aussi. Est-ce que tu peux juste, enfin, je sais pas si on a le temps de vous faire les trois questions qui nous restent. C'est nous politique. Vous êtes gourmand, vous. Hein. Oh, la politique x2, là. Politique, j'allais demander en x2 l'actuelle vice-présidente des États-Unis. Eh ben, oh, putain, sais que je l'ai pas. Comment elle s'appelle? Vous avez pas ça? Non. Oh, j'ai sa tête. Tu poses trop de questions. Femme, j'ai sa tête, mais j'ai pas sa... Kamala. Non. Kamala Harris. Harris.
Kamala Harris, c'était la. Eh ben, je suis bien content de pas avoir. C'était la fois 2. Et cinéma, vas-y. Cinéma, j'y vais de ce pas, mon ami. Cinéma, c'était trop. Parce qu'en fait, du coup, comme je sais que vous aimez pas trop. On aime, on est nul. Oui, on est quel personnage en fois 2. Non, on déteste. Quel personnage de l'univers Marvel est joué par Ryan Reynolds? Ryan Reynolds. Bah, les gars. Captain America. Mais non. Bah, Flash, je sais pas. Mais non, mais c'est pas du Marvel. Ryan Reynolds, attends, mais en fait, je sais pas. Ryan Reynolds. Je sais plus qui est Ryan Reynolds. Sabre, rouge et noir. Ah, ok. Il parle à la cam, Deadpool, exactement. C'est juste que j'ai plus la tête de l'acteur, c'est pour ça. Mais il n'y a aucun souci. Et là, vous méritez un peu le score négatif sur Deadpool. De fou. Mais j'ai plus la tête du mec. Celle-là était un peu piège. En trois buckets, j'allais vous demander le film qui a fait le plus d'entrées au cinéma en France. Bah, bienvenue chez les Ch'tis. Non. Ah, Titanic. Ah, non, ok. Roi Lion. Non. C'est Intouchable. Intouchable, c'est juste derrière Bienvenue chez les Ch'tis. Je crois que Bienvenue chez les Ch'tis a 20 et quelques millions. Quoi, 23 millions. C'est pas Avatar. 20,6, genre au box-office. Les Avengers. Intouchable, 19. Ah non, et devant. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ah ouais. Non. Le film Titanic. Titanic. Le Titanic, exactement, avec 21,7 millions d'entrées. J'aurais dit Bienvenue chez les Ch'tis, j'aurais eu faux. C'est le Titanic, mais ouais, c'était un peu le piège. Voilà pour les autres questions. C'est beau. Les autres, je vous les garde en réserve. Oui, en résa. Quel jeu de fou, quand même. Un petit risque tout. Je me suis dit. On a essayé d'adapter pour pousser un peu plus au risque, parce que je sais que Zary, t'avais pas aimé la dernière fois. Et non, ça c'est pas que j'avais pas aimé, c'est qu'à la fin, quand il reste que les fois 1 et que t'as moins 8, t'es en mode bah, je peux pas remonter. C'est ça. Oui, bah oui. Alors que là, nouvelle version, merci, hein, j'ai plus le pseudo dans les commentaires. À chaque fois, tous les jeux, les gens nous proposent des trucs, des petites variantes et tout, ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, les frérots. C'était très cool. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on s'est marré. C'était un peu roulip ce soir. Mais et merci, Van est là. Avec une petite pause de popcorn la semaine dernière. Mais honnêtement, j'ai beaucoup rigolé. C'était très sympa de faire ça avec vous. En effet, Merchman nous l'a annoncé tout à l'heure. Il est passé nous le dire, nous présenter le nouveau merch sur la boutique, boutiquepopcorn.fr, avec les t-shirts que vous pouvez voir justement de Xari et moi aussi. Le pull qui était sorti l'an dernier. Malheureusement, on avait sorti en trop peu d'exemplaires pour l'été. Donc, 2 heures pile quasiment. Mais quasiment. Moins 16 ponces. Ça va, l'enfoncez pas. Ça oh, les bâtards. Et j'ai gagné la dernière fois. Mais oui, non, mais ponce, t'avais gagné en plus de la dernière fois. Et t'as tenté. Et t'avais la plongée. Non, après, par contre, faut être vraiment honnête, là, sur la session, là, j'ai pué la merde. C'était très grave. Mais non, c'est t'as eu la plongée. C'est vrai qu'avec le tout début, avec le délire d'air aussi. Ah, c'est grave. Ouais, c'était pas grave. Ouais, c'était grave. Non, mais ça, il faut le reconnaître. Après, plongée et Bélis, t'avais. Moi, j'ai déjà un message de ma maman pour le Bélisin. Parce qu'en fait, j'ai confondu et je viens de m'en rendre compte. Je pensais que c'était Cambodge. Et en fait, Belize est comme... C'est le drapeau ressemble. En fait, le drapeau, c'est bleu-rouge. Et en fait, je suis con, il n'y a aucune excuse. Pardon, mais je suis juste complètement con. J'ai confondu relativité et gravité. Non, mais je suis complètement con. Mais du coup, je me fais insulter. Mais toi, je t'aime trop. Parce que t'es le seul à qui, tu sais, genre, c'est pas Serge le mytho de dire non, parce qu'en fait, les drapeaux, je les connais tous par cœur. Et du coup, ils se ressemblent. Tu vois, c'est vrai qu'entre Belize et Cambodge, c'était quand même. Excusez-moi. J'ai un message de ma mère qui me dit que j'ai pué la merde. Je te renie. Fais bien place. Ni plus ni moins. C'était trop bien. L'intro. En grande pompe de la culture sur Twitch pour la déco, j'en tremble encore. C'est exceptionnel, mec. Mais en fait j'ai refaire le truc. Il m'a dit des trucs que je n'ai pas compris. il m'a dit un premier truc, j'ai pas compris, je lui ai demandé de répéter. Et la deuxième fois, quand tu comprends pas, tu peux pas répète. Oui, oui. J'ai fait un. Ouais. Du coup, moi de mon POV, c'est vraiment, je dis JC déco en mode lol et il me répond sûrement. J'ai bien compris ce qu'il m'a dit. Ça doit être ça. Ni plus ni moins. Désolé, gros. Les frérots, merci beaucoup. T'es trop fort, mec, Titane. Oui, c'est vrai que par contre. Ton level, toi. Bon, oui, enfin. Titane, et t'avais les 25 médailles. Ah, c'était 28. C'est vrai, mais c'est pas. Maintenant, je le saurais, tu vois. Honnêtement, c'était pas si loin. Celle-là, tu la mets souvent. Parce que tu l'avais remis. En fait, tu l'avais mise dans l'un de tes premiers pop quiz. Wow, et c'était moi qui dis la mémoire aussi. Tu prends la mémoire. Même moi, je suis du bar. Mais moi, j'étais tombé dessus. Mais je crois sur Eclipsia. Sur Phelps. Aussi difficile avec le nombre de médailles. C'était la même chose, et j'avais dit 29. Ah putain. Et c'était exact. Et en fait, c'est pour ça que quand tu l'as remis, j'étais en mode oh le bâtard, il l'a remise. À l'époque, on n'était pas ouf ni d'un point de vue édito. Maintenant, maintenant il n'y a plus rien. Chelsea est en train de se vendre. On n'est pas encore sûr exactement. Et c'est la magie du risque tout. C'est comme ça, ni plus ni moins. 21 sur 20 au bac, moins 11 au risque tout. C'est très Mais le maître des fleurs, ni plus ni moins.